Au sud de San Francisco, voici le berceau mondial de l'innovation, la Silicon Valley. Tous les grands noms de la high-tech ont vu le jour ici. Au total, plus de 200 000 entreprises, dont certaines ont été créées par des Français. Avec près de 20 000 startups, dont notamment près d'une centaine de licornes, vous savez, ces pépites valorisées à plus d'un milliard de dollars comme Uber, Snapchat ou Airbnb, eh bien la Silicon Valley, ce petit bout de territoire de 80 km de long, est devenu en quelques décennies le berceau des nouvelles technologies, un écosystème unique envié par le monde entier. Alors quelle est la recette du miracle californien? Pour comprendre, il faut d'abord se rendre à la prestigieuse université de Stanford, là où tout a commencé. C'est sur ces bancs qu'est formée l'élite du pays, Roosevelt comme Larry Page, fondateur de Google. C'est elle aussi qui a enfanté les premiers start-uppers, Hewlett and Packard, les informaticiens. Sans Stanford, ce ne serait pas ce paradis des start-ups. Fred Turner est professeur à l'université et fin connaisseur de la Silicon Valley. Alors pourquoi cet endroit est-il si particulier ? Pour moi, la réussite de la Silicon Valley s'explique avant tout par ses talents, ces gens qui n'hésitent pas à passer d'une entreprise à l'autre. Ils forment une immense nébuleuse présente à la fois dans les startups et les grands groupes. J'en ai rencontré beaucoup et plusieurs m'ont dit « Je ne travaille pas pour mon entreprise, je travaille pour la vallée. On va d'une entreprise à une autre, on se crée un réseau. » Il y a un esprit d'innovation radical qui anime toute la région. Ici, on sent que tout est possible. On sent ici un réel état d'esprit. Comment vous le décriveriez? C'est un état d'esprit très individualiste, très orienté vers la réussite, tourné vers les réseaux sociaux, et surtout très anti-institutionnel. Et ce dernier aspect est très important. Parce que si nous sommes très bons pour développer des nouveaux produits, des nouvelles façons de penser, de collaborer, nous ne sommes pas aussi bons quand il faut mettre en avant toute la diversité qui existe dans notre société. D'où vient cet état d'esprit ? Ça date d'il y a longtemps et c'est une histoire très intéressante. Cela provient d'abord du monde des technologies. La vallée est un haut lieu de la recherche, en particulier la recherche militaire, dès les années 50. Mais cela vient aussi de la contre-culture des années 60. Les premières soirées où les gens prenaient du LSD ont eu lieu près d'ici. Et San Francisco n'est pas loin. On a donc ce mélange entre une culture technologique très marquée et une contre-culture expérimentale. Et pour ces deux communautés, la créativité, c'est quelque chose de cool. Et si la Silicon Valley s'est transformée en Hollywood du numérique, ce n'est pas juste en raison de sa créativité, mais grâce à une savante alchimie où capitaux et prise de risque sont prépondérants. Nous sommes chez NEA Ventures, le plus gros fonds de capital risque de la région. Depuis sa création, il a investi plus de 17 milliards de dollars et a réussi de jolis coups, comme Groupon, Salesforce ou Coursera. Alors quel est le secret de sa réussite ? Pour identifier une entreprise dans laquelle on va investir, plusieurs facteurs entrent en jeu. Personnellement, je préfère cibler des sociétés qui viennent bouleverser des marchés de grande taille et qui ont un impact significatif sur notre manière de vivre et de travailler. Les entreprises dans lesquelles vous prenez des parts ne sont pas forcément rentables, c'est bien ça ? C'est ça. Donc, votre job est très risqué. Tout à fait. Au rayon des startups qui ont séduit les capital risqueurs, citons Glassdoor qui a levé l'an dernier 70 millions de dollars auprès de Google et d'autres investisseurs. Pour faire simple, disons que Glassdoor, c'est le TripAdvisor des entreprises. Vous utilisez sa plateforme non pas pour choisir votre hôtel, mais pour sélectionner la société dans laquelle vous rêvez de travailler. Ici, pour l'anecdote, les chiens sont bienvenus dans les bureaux. On en compte jusqu'à 50 pour 600 salariés. Plus sérieusement, cette start-up a pour ambition de révolutionner le business du recrutement avec une idée toute simple, attribuer des notes aux entreprises grâce aux appréciations anonymes de salariés ou d'anciens salariés. Ça ressemble effectivement à TripAdvisor. Quand les gens cherchent un hôtel, ils ne veulent pas tous le même genre d'hôtel. C'est la même chose pour les jobs. Un lieu de travail parfait pour quelqu'un ne le sera pas forcément pour son voisin. On renseigne les internautes pour qu'ils puissent choisir en connaissance de cause. Mais là où c'est différent, bien sûr, c'est que sélectionner un hôtel, c'est plutôt banal. C'est important, mais votre vie n'en dépend pas. Choisir un employeur, par contre,
C'est une décision cruciale. On est donc très fiers de pouvoir fournir toutes ces informations à nos utilisateurs pour les aider à faire le bon choix. Alors comment ça marche? Eh bien sur le site web Glassdoor, il est possible d'évaluer sa propre entreprise à tous les niveaux. Grille des salaires, ambiance, horaire, culture de travail, évolution de carrière, compétences des dirigeants, etc. Au final, les entreprises sont classées des plus cool aux plus rigides et celui qui cherche un job peut repérer l'endroit où il fait bon travailler et ainsi mieux préparer son entretien d'embauche. On est vraiment unique parce qu'en plus de publier les offres d'emploi des entreprises, on communique toutes les opinions des salariés sur ces entreprises. On donne tout ce dont vous avez besoin pour faire le meilleur choix pour votre carrière. On dresse un tableau complet et ça, personne d'autre ne le fait. Le site fait un carton en Californie, il est déjà entré dans les mœurs. Tout le monde consulte Glassdoor, créé en 2008. Cette start-up incarne la vitalité économique de la Silicon Valley. Déjà plus de 8 millions de commentaires sur 470 000 entreprises. Comme la start-up distribue bons et mauvais points, elle se doit d'être elle-même exemplaire avec ses salariés qui sont ici traités, il faut le dire, comme des rois. Coin cuisine avec nourriture et boissons à volonté, salle de jeu XXL, des terrasses pour bronzer en travaillant et même des kayaks pour une balade sur l'eau après la journée de travail. Et question congé, là encore, les salariés ne sont pas les plus malheureux. On a des vacances illimitées. Il n'y a pas de maximum au nombre de jours de congés. Mais ce sont des congés payés ? Oui, c'est payé. On peut partir voyager pendant 3 mois, 6 mois. On part du principe que vous savez quelle quantité de travail vous devez fournir et le temps que ça prendra. Et on vous fait confiance. C'est donc du management par objectif ? Oui, c'est ça. Exactement. L'objectif de la start-up, c'est de conquérir la planète. Elle vient d'ailleurs de lancer sa version francophone. En introduisant notamment la transparence sur les salaires des entreprises, Glassdoor pourrait bien inciter les candidats aux profils les plus recherchés à faire monter les enchères. La Silicon Valley n'est pas un sanctuaire réservé aux entrepreneurs américains. Elle fait rêver les start-upers du monde entier. Et à ce petit jeu, la colonie française est très présente. On lui doit d'ailleurs quelques pépites au succès spectaculaire. Comme Sidecall, basé à Mission Bay au cœur de San Francisco. Un nom qui ne sonne pas très français. Pourtant, le fondateur, Thomas Cottreau, 41 ans, lui, est bien né à Lille. Au pays des skateboards, le PDG saute le matin sur sa planche pour rejoindre son bureau. Ça fait sourire pas mal de monde de voir un CEO en skate, mais finalement, ça donne une touche sympa et finalement, c'est très positif. Thomas a fondé en France en 2008 Sidecall avec une idée en tête, simplifier la vidéoconférence en entreprise. Les grands groupes mettent parfois plusieurs années à concevoir un logiciel maison pour communiquer à distance avec leurs partenaires et leurs clients. Ce temps est révolu, il suffit de télécharger l'application Sidecall compatible avec tous les systèmes. Succès immédiat pour la start-up qui a débarqué il y a 2 ans sur la côte ouest afin de s'attaquer au marché américain. Thomas a très vite conclu un partenariat avec le géant américain Salesforce, le leader mondial du CRM, a été immédiatement séduit par la simplicité d'utilisation de Sidecall. Quand j'étais faire une de mes premières présentations chez Salesforce de notre solution, il y a une personne de la partie Service Cloud, donc qui est tout ce qui est Customer Service, qui lui a dit « Attendez, ça c'est mon sujet. Si ce que vous me dites est vrai, ça va faire un carton. Est-ce que je peux essayer ?» Le lendemain, il dit « Regardez, hop, j'ai fait ce scénario, etc. etc. Est-ce que je peux le présenter à Dreamforce, qui est le grand show de Salesforce, dans 2 semaines ?» Ouais, évidemment. Et donc, ça va à une vitesse complètement folle. Et là, c'était présenté, c'était lancé, etc. etc. Croissance à tous les étages, la start-up emploie désormais 30 personnes et a levé 8,4 millions de dollars l'été dernier. Les programmeurs mettent au point sans cesse de nouvelles fonctionnalités. La dernière en date, le constat d'assurance fonctionnant avec la caméra du smartphone. Ringardisé, le constat à l'amiable griffonné sur le capot. Démonstration, grandeur nature. Allô ? Oui, bonjour, bienvenue sur My Insurance. Oui, bonjour, j'ai eu un incident avec ma voiture. Je me lève ce matin et mon capot est complètement rayé. Pas de souci, êtes-vous à côté de votre véhicule actuellement ? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Alors, on va utiliser en fait la caméra de votre mobile pour que vous puissiez montrer le problème. Ah, très bien, je vois votre voiture. Alors, est-ce que vous pouvez vous approcher de la zone accidentée? C'est ici. Vous voyez toutes les griffures qu'il y a sur le capot, qui n'étaient absolument pas là hier. D'accord. Alors, on va prendre une photo pour faire le compte.
constat d'assurance. Ok. Alors très bien, je vois bien les soucis sur votre capot, effectivement ici et là. D'accord, bah, écoutez, pas de problème. Ça sera couvert par votre assurance. Voici le constat d'assurance. Donc on peut vérifier ensemble tous les éléments. Donc je l'envoie en fait à votre garage le plus proche de chez vous. Extra. Merci beaucoup. Merci à vous. Mini révolution dans le monde de l'assurance, fini la paperasse, des dossiers maintenant traités sur le champ, donc des économies considérables pour les compagnies et un gain de temps appréciable pour les clients. Plus besoin d'attendre la venue d'un expert. Deux des trois plus grandes assurances du monde sont désormais clientes de Sidecall. Sidecall est pionnière sur son marché, mais déjà la concurrence débarque avec Twilio, 10 fois plus grosse que la start-up qui se lance sur le même créneau. Mais pas de quoi faire paniquer Thomas Cottreau, bien au contraire. Par rapport à ça, moi je suis plutôt content. Je suis plutôt content parce que c'est des gens qui investissent des dizaines de millions de dollars en marketing tous les ans et donc finalement qui vont nous aider à évangéliser ce marché, nous aider à le faire. Et étant donné que sur le point de vue technologique et de la solution, on est très en avance par rapport à eux sur cette partie-là, je dirais, allez-y, investissez, aidez-nous à faire ce marché. Et puis, de toute façon, après, les clients prendront la meilleure solution. Et donc, si on est toujours les meilleurs, eh bien, ils nous aideront à le faire. Après près de 3 ans sur la côte ouest, Thomas a épousé les traditions locales, burgers et matchs de baseball sont désormais son quotidien. Pour la suite, le Frenchie a une ambition, et quelle ambition ! Que très vite, Sidecall devienne une licorne, c'est-à-dire que sa valeur dépasse le milliard de dollars. À force de s'entendre dire « écoutez, think big », eh ben on finit par penser plus grand et plus large, évidemment. Ailleurs qu'ici, cela pourrait passer pour de l'arrogance, mais tout est possible dans cette Silicon Valley qui n'a jamais été aussi euphorique depuis 15 ans. L'an dernier, en un seul trimestre, près de 16 milliards de dollars ont été injectés dans ces milliers de start-up qui incarnent l'insolente réussite américaine dans le digital.